Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter dans le fond mes cadeaux de Noël. Ben, quelques cadeaux de Noël. C'est ça qui vont bien avec ma chaîne. Je sais qu'on est très en retard pour les cadeaux de Noël, mais je vais quand même vous les présenter. Donc, premier article, c'est une brosse. Elle est vraiment, vraiment trop belle, je trouve. Je vais vous la montrer de plus proche. Il a des paillettes en dégradé, mauve, rose, on peut dire genre doré, orange. Donc, c'est vraiment, vraiment beau. La voici, la voilà. Ensuite, on a... Alors, voici des cartouches photos. Dans le fond, c'est des cartouches photos mini pour des appareils photos. Comme ça, puis dans le fond, ils sont en queue tyrène, ils sont trop trop beaux. Et j'en ai aussi pastel, vraiment très beau aussi. Et j'ai déjà testé, donc voici un exemple, c'est vraiment beau. Ça, c'est mes figurines pop, donc elles sont très belles. Et puis, je vais vous montrer mon appareil, le voici, le voilà. Celui-là, je ne l'ai pas eu à Noël, dans le fond, j'ai juste les cartouches pour les photos. Voilà. Alors, maintenant, donc voici, j'ai pris une photo. Ça ne va pas apparaître tout de suite. Dans le fond, c'est blanc. Fait que c'est ça. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est tout blanc. Alors, prochain article... On a une LOL, une boule LOL, en fait, elle est spéciale dans l'eau. Elle change de couleur. Donc là, voici, la voilà, plus précisément. Voici. Prochain article. Alors, voici des mini brands. Alors, sont vraiment très beaux. C'est des mini brands dans le fond. J'ai fait 5 vidéos là-dessus que j'ouvre de différentes parties. Les voici, les voilà. Tadam! Donc, voici Valou. C'est ça. Fait que. Sont très belles. Dans le fond, les mini brands, c'est à collectionner de la mini nourriture. Ensuite, on entre plus dans les sections lecture. Voici un livre de Enola Holmes. Je vais vous placer un peu. Donc, Enola Holmes, c'est dans le fond elle cherche des choses comme. Puis, dans le fond, il y a un film sur ça. Vous pouvez bien sûr aller le voir. Donc, ça, c'est la BD en fait. Voilà. Très cool. Avec plusieurs... Dans le fond, c'est une histoire. C'est... dans le fond, l'histoire est dans le film. Fait que c'est ça. Voilà! Enola Holmes. Elle enquête sur des choses. Ensuite, on est sur un prochain livre. Voici une BD de Stranger Things. Elle est vraiment trop cool. Dans le fond, j'écoute beaucoup Stranger Things. Je sais pas si vous connaissez ça. Mais si vous ne connaissez pas ça, je vous invite fortement à aller voir. Pour les plus jeunes, peut-être qu'ils vont avoir peur. Mais c'est vraiment, vraiment cool. J'adore ça. Donc là, j'ai la BD. Voilà. Très, très beau. C'est très sombre. Hein? Dans le fond, c'est Will. Je ne sais pas si vous connaissez dans Stranger Things. Will, c'est un personnage. Puis dans le monde à l'envers. Puis là, on le voit comment lui... Il ressent dans le monde à l'envers parce que dans la série, on voit juste dans le monde normal. Fait que là, on voit toutes les situations qu'on vit, on voit dans le vrai monde, sauf que là, c'est dans le monde à l'endroit, c'est-à-dire le monde normal. Là, c'est l'histoire, c'est dans le monde à l'envers. Voilà. Donc, je vous montre beaucoup parce que c'est très cool. Voilà, ma BD Stranger Things. Je suis très contente. Là,
C'est vraiment, vraiment cool. Je sais pas si vous connaissez Swan et Neo. C'est des YouTubers. Je sais pas si vous connaissez. Les connaissez sûrement que oui. Je les adore. J'adore leurs vidéos. Donc là, j'ai une BD. Puis, j'en ai plusieurs BD dans le fond. J'en ai trois plus un roman. Je pourrais vous faire une vidéo sur tous mes livres que j'ai. Fait que dans le fond, voici. Donc là, je vous en présente seulement un. Mais si vous voulez voir une autre vidéo, ben, vous pouvez mettre un pouce bleu. Donc, une vidéo sur tous ces livres-là que j'ai. Donc, j'en ai trois, quatre livres. Voilà. Donc, je vais vous lire ça. C'est parti. Chaque jour, Swan et Neo reçoivent du courrier envoyé par leurs abonnés. Et ce matin, c'est un jeu vidéo totalement inconnu qu'ils découvrent dans leur boîte à lettres. Les deux frères s'empressent bien sûr de lancer une partie, mais sont soudain propulsés dans un incroyable parc d'attractions. D'abord, égrenement surpris, ils déchantent rapidement il leur faudra relever de nombreux défis pour tenter de sortir. Parviendront-ils d'en rentrer chez eux avant leurs parents ne s'aperçoivent de leur disparition? Alors voilà, voici en fait tous mes cadeaux. Je les ai mis. Bye tout le monde!